Vous aimez Dalida. C'est le meilleur, c'est ça, c'est du cœur. Si vous trouvez grande question. Ben non, c'est beaucoup plus dur que d'y répondre finalement. Alors, enfin, un jour de c'est plus facile de répondre, ça c'est sûr. Dalida, vous avez chanté Besame Mucho. Avez-vous des nouvelles de Monsieur Mucho? Si je répondrais oui, tu me crois? Non. Dalida, est-ce que vous avez le front populaire? Le front, oui. Dalida, regrettez-vous le départ de Guy Lux et de Daniel Gilbert et êtes-vous prête à signer une pétition pour qu'ils reviennent à la télé? Oui. Jouez-vous souvent, Dalida, avec votre frère Bruno? Oui. Est-ce que vous jouez souvent avec votre frère Bruno à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette » Non. Dalida, votre producteur, c'est votre frère, justement, Bruno. Votre secrétaire, c'est votre cousine. Alors, travaillez-vous en famille parce que vous n'avez pas confiance dans les autres? Oui. Dalida, annuleriez-vous un gala pour dîner avec moi? Oh oui, chère Babi. Et annuleriez-vous un gala pour dîner avec le président de la République? Oui. Quel enthousiasme! Dalida, est-ce que vous aimeriez poser pour un nouveau buste de Marianne? Si j'ai... Pardon, je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous aimeriez poser, vous savez, Brigitte Bardot, la... Oui, pour un nouveau buste de Marianne? Pourquoi pas? Oui. Dalida, quand vous réécoutez le petit éléphant twist ou le petit perroquet, s'il y a des chansons dont vous avez honte? Oh oui. Enfin, Dalida, est-ce que votre dirladada excite toujours autant vos admirateurs? Oui. Alors vous souvenez certainement, vous qui êtes dans la salle en tout cas, qu'en 1970, je ne crois pas me tromper, Dalida a eu un énorme succès avec Darla Dirladada. Mais si vous tous vous vous en souvenez, en revanche, les passants des rues où je suis allé me promener n'avaient pas tous la mémoire aussi bonne. Et j'aurais posé une question pourtant fort simple. Saviez-vous que Dalida doit une partie de son succès à son Dirladada? Les réponses sont pour le moins surprenantes. Enfin, j'en ai entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai, mais... Effectivement, j'en ai parlé, je l'ai lu dans les journaux, mais c'était vrai, ça je sais pas. Oh, mais si elle est dans les artistes, c'est un petit peu dans tout comme ça. Et alors? Dans tous les domaines, c'est pareil. Mais je trouve ça dégueulasse. Non, ça va quand même un peu trop loin, là. Tu sais, personnellement, ces affaires, hein, moi, c'est pas les miennes de fesses, alors... Ils sont déjà quand même beau cul, déjà. Enfin, ça paraît aussi, hein. C'est pour tout le monde pareil, dans la vie, pour les femmes, c'est tout le temps grâce à son charme, à mon avis, ils sont réussis vraiment. Non. Alors, là, puisque vous me demandez mon avis, l'État devrait mettre un impôt sur les chiens de façon à réduire le nombre de 4/5. C'est le plus absolu. Si on est en démocratie, c'est cela, hein, la liberté. Autrement, c'est pas la peine. On en arrive comme dans les pays de l'Est, quoi. Non, j'y crois pas. J'y crois pas d'abord, et puis je trouve que c'est honteux. Non, je trouve qu'une artiste doit arriver par ses propres talents, mais malheureusement, je crois que pour se faire connaître actuellement, on est obligé de passer par des passages très détournés. Je reviens de vacances, j'ai pas lu le dossier. Je peux pas porter une appréciation valable là-dessus. Si elle aime ça, il faut pas vous passer en preuve. Bon, maintenant, c'est un peu plus de rien. Mais enfin, c'est dommage. Du sonnage et tout, quand même. De toute façon, tu sais, elle a commencé par les bambinos, alors elle ne fait que continuer. Hein. C'est absolument sa vie privée, ça n'a rien à voir avec son métier. De toute façon, c'est pas grâce à son talent, donc. Encore bon habillée, elle jette encore un peu de jus, mais à partir du moment où elle enlève tous ces foulards-là. Sur la fréquence, sur toutes les radios, qu'elles soient périphériques ou libres, et je dois dire que c'est un véritable tube, mais ça pose bien des problèmes à Dalida, ce petit jeune homme qui l'appelle sans arrêt sur la fréquence, et pourquoi elle s'est plainte sans plus tarder au commissariat de police du 8e. Allô, le commissariat du 8e? Oui. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que je suis très ennuyé pour ma fille. Oui. Oui, par la cure avec la CIBI. C'est possible, oui. Vous savez, les grandes antennes qui dépassent, là. Oui. Enfin, je crois d'ailleurs qu'on n'a même pas le droit de s'en servir. Oui. Quand fous-toi, quoi. Oui. Et alors, elle est très ennuyée par un jeune homme qui n'arrête pas de lui dire des insanités, oui. Sur la fréquence. Dis-moi, c'est un gag? Non. Non?
Ah non, non, monsieur, non. Bien sûr qu'on passe pas l'antenne, là. L'antenne de quoi, monsieur, puisque je vous appelle de chez moi, là. Ah bon? Oui, je ne vous appelle pas de... Il y a des gags téléphoniques en ce moment à la radio, hein. Ah oui, je ne suis pas au courant. Hein. Vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas branché. Je ne suis pas quoi? Branché. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous dites? Ah ouais. Parlez comme les azous. D'accord, voilà. Bon, dites-moi. Exactement. Alors, c'est pas le tout, mais ma fille est très embêtée. C'est pas le tout, mais elle est majeure, votre fille. Ah oui, largement. Elle se débrouille toute seule, elle a qu'à nous appeler elle-même. Mais je vais vous la passer. Oui. Hein, qui t'est prêt? Yolanda. Allô? Ah, oui. Mais bonjour, monsieur, je vous appelle de la part de mon père qui me dit qu'il faudrait faire cesser tout ça d'urgence. Oui, oui. Il y a un jeune homme qui est KRZ33, qui est super relax, oui. Et qui me fait la confidence sur la fréquence. Il est comme vous, voilà. Oui, absolument, comme le commissariat du 8e. Non, alors, il faut dire lequel commissariat, hein? Comment? Il faut dire lequel? Le commissariat du 8e, oui. Oui, dans ce quartier des Champs-Élysées, c'est meilleur. Absolument. Voilà. Alors, il dit ce jeune homme KRZ33 sur la CIBI, en faisant des confidences sur la fréquence, qu'il me reçoit 5 sur 5, et d'après ma voix, il dit que je suis physiquement assez mignonne. Ouais. Et alors le problème, c'est qu'il a l'air mineur, et après dîner, il veut m'emmener en boîte. Ouais. Alors que dois-je faire? Ce que vous voulez. Alors ça ne vous dérange pas que j'emmène un mineur en boîte? Ah, oh, bah, c'est égal, hein. Et vous êtes au commissariat du 8e. Ouais, oui. Mais alors, vous faites comme vous voulez, hein. Mais alors, à quel flic se vouer, alors, maintenant, alors? Pardon? À quel flic se vouer, alors? Je ne sais pas pourquoi vous voulez partir avec un mineur, premier majeur. Mais écoutez, il dit qu'il me reçoit 5 sur 5 et que son nom, c'est KRZ33. Mais j'espère qu'on passe bien, quand même, à l'antenne, hein. C'est qu'on passera mieux. Un petit jour. Mais écoutez, ce n'est pas une plaisanterie, je voudrais vous y voir, moi. Oui, bah vous venez, mais nous, on est à côté de chez vous, sûrement. Hein. Mais vous êtes en voiture, vous avez un minet qui vous appelle ici, KRZ33. Non, je préfère une minette, moi, vous voyez. Oui, bien sûr, mais moi, je comprenais, je suis Dalida, alors évidemment, il m'appelle moi. Vous avez compris, oui, oui. Oui, il dit l'imitation n'est pas terrible, hein. Non, mais je crois que vous êtes en train de faire une bavure. Passez-nous voir un peu métier, on pourra apprécier comme ça. Alors, avec plaisir. Voilà. Merci, la police est toujours présente. N'est-ce pas? Au revoir. Voilà. Oui, je viens vraiment avec joie parce que qu'est-ce que j'ai pu me marrer. Mon Dieu, la dedans s'en bat. J'ai envie de 24 000 baisers. Je suis romantique, os, rémi, hola, ça me fait rêver, je suis toutes les femmes. Allez la France, jouez Bouzouki, il me faut un homme. Très bientôt, je dis que je regrette un peu, là, vraiment, je vous allez me manquer, voilà. J'avais pris l'habitude des studios, je me réveillais à 8h30 le matin, j'étais là, je priais, j'ai passé vraiment 3 jours merveilleux. Merci David, à très bientôt, et le plus tôt sera mieux, c'est une confidence que je vous faisais sur la fréquence.